Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors il est 10h, je vous prends rapido tant que c'est à peu près calme parce que là j'ai monsieur et mon frère qui sont en train de faire la salle de bain. Voilà, ils attaquent le gros du chantier, il n'y a plus de baignoire. Donc il y a beaucoup de bruit. Sans Alors, compter sur Riley. Donc il y a beaucoup de bordel aussi. Et là je vais envoyer le mail à la gagnante du mini concours pour le livre Disney là. Le livre de coloriage Disney. Donc ce week-end, vendredi, Sam m'a lancé un défi coloriage sur une sorcière que je vais faire vert et violet. Riley! Riley, lâche-le! Et je pense avoir rempli le défi, George. Défi ouais. Rempli. Ouais. Il faut que je l'attrape. Hop là. Donc j'en vais vous montrer ça. Voilà. Bon, vous aurez plus d'explications dans les coloriages terminés de la prochaine fois, mais voilà. Donc je pense avoir bien rempli le challenge, sauf que je voulais faire les cheveux en violet et le reste en vert, mais je me suis plantée. J'ai attaqué les cheveux en vert, donc j'ai continué. Samedi matin, avec Chérie, on a été acheté, enfin j'ai été acheté, c'est moi qui ai offert à Sam et à Chérie aussi, et je me suis pris un puff électronique. Donc là, c'est avec des recharges, voilà. Donc c'est moins cher que des puffs classiques déjà tout faits jetables. Là, il se recharge et vous changez juste votre recharge. J'ai pris goût par papa. D'ailleurs, on va goûter le goût. C'est trop bon. Hein? On va goûter le goût. Ah, il est bon aussi pour la cigarette électronique. Là. Donc voilà, et il est trop beau. Sam, il a un gris et Chérie, je lui ai pris en rouge. Et c'était vraiment pas bien cher, c'était 13,90 la cigarette électronique, enfin le puff électronique, et c'est 6,90 les deux recharges. Ensuite, j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont passés à la maison, et puis après j'ai fait du coloriage principalement. Merde. Dimanche matin, j'ai refait tout mon nuancier, puisque finalement j'ai décidé de garder pour moi les brutes funeurs là, que j'avais acheté sur Temu, qui sont vraiment pas mal. Si vous voulez des crayons de couleur vraiment pas chers et de bonne qualité, je vous les conseille à 1000%. Pour l'instant, j'ai juste fait les swatchs et je m'en suis servi de deux assez clairs sur le dessin que je suis en train de faire. Mais je vais essayer de les utiliser plus. Et j'ai refait tout mon nuancier. Aujourd'hui, je reçois enfin mes macarons. Toujours de chez Brutfener, hein, c'est les pastels. Je reçois enfin ma première commande Temu que je devais recevoir. Je la reçois aujourd'hui alors que j'en ai déjà reçu 4 entre temps. J'ai pas compris. Et ensuite, l'après-midi, j'ai ma belle-sœur qui m'envoie un message. Donc, la belle-sœur de la copine de mon frère. Qui m'envoie un message à 3h20. Coucou, vous passez pour un café ou un verre? Alors je dis oui, bah, le temps de se préparer et tout ça. Je venais de me faire un café en plus. Puis elle me dit avant 16h c'est possible. Ouais, bon, il est un peu 15h20, quoi. Heureusement qu'ils habitent pas loin, mais... Donc, du coup, on y a été. Il y avait tous ses enfants à elle. Et mes neveux et nièces qui étaient là. C'est pour ça qu'elle m'a dit d'y aller avant 4h, hein, parce qu'ils repartent à 4h. Et donc, on a été boire un café à 15h30. Et on est rentré à 22h. La logique des choses. Et sa fille m'a coupé mes cheveux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle l'a coupé un peu plus droite. Voilà. Bon, elle a fait ce qu'elle a pu avec des ciseaux de cuisine. Hein. Elle est coiffeuse, mais forcément, elle ne se balade pas avec ses ciseaux. Et du coup, elle me les a effilés un peu. Et elle a fait un petit dégradé pour me couper ici la mèche brûlée. Il reste vraiment qu'une toute petite pointe. Je ne la sens même plus. Et voilà, juste ici, le bout ici, un peu. Mais franchement, ça ne se voit plus, quoi. Là, je les ai lissés ce matin. Je suis pas contente, donc voilà. C'est trop beau. C'est plus droit. Et voilà, par contre, elle m'a dit que mes cheveux, ils avaient bien encaissé. Hein, par cette mèche-là, ce bout de mèche qui était cramé, elle me dit, avec tout ce que tu leur as fait, c'est incroyable qu'ils aient tenu aussi bien, quoi. Donc, je suis contente. Voilà. Et mes cheveux repoussent plus foncés. Hein, vous avez vu? J'ai moins de cheveux blancs que je ne le pensais, finalement. Hein. Ils sont
plus grisonnant que blanc finalement. C'est ici, hein, surtout qu'il y a une touffe blanche, vous voyez. Donc voilà. C'est un phoque. Même le petit maintenant, je ne sais pas si vous l'entendez, il chip aussi en jouant maintenant. Donc voilà, bref, ce vlog ne va pas être très long, je pense, puisque je vais essayer de vous prendre ben, comme là quand il y a des accalmies de bruit. Mais bon, les travaux en priorité, hein, après tout, ma salle de bain devait être faite avant Nouvel An. Voilà, hein, on est mimé. Mais là, chérie a congé toute la semaine et mon frère a pris congé 3 jours. Et demain matin, par contre, je vais faire la gastroscopie et mon frère n'était pas dispo non plus demain matin. Donc, demain matin, ça sera calme. Voilà, voilà. Genre, je reprends l'école aujourd'hui, mais il commence à 13h30. C'est ça ? On se coupe pas trop dans cette école. Hein. Les profs sont en formation. Là. Bref. Bon, voilà. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là avant que le bruit des travaux reprenne. Et puis, de toute façon, avec eux... Ils sont tarés, ces clébards, mais vraiment tarés. Avec eux, c'est pas facile de... Je vais y voir le père. De faire quelque chose. Pourquoi ? J'ai un problème avec ma sœur. Elle ne détecte pas le goût. Moi, j'y connais rien. Bon, allez, sur ce, on suit du jour. Et je suis désolée si le vlog est très court, mais chérie en congé, j'ai des examens médicaux et ils font les travaux, donc ça sera pas une semaine très productive pour moi. Voilà. Je vous prends dans le bruit, désolé. Il est 11h, donc je vous ai pas pris hier parce que j'ai été faire ma gastroscopie et oh mon Dieu, l'horreur. Pouf, déjà que j'étais en état de stress pas possible. Je pleurais, même que j'ai été sédatée. J'étais vraiment pas bien, mais bon, voilà, c'est passé. L'examen a été très long, mais au moins c'est fait. Donc, apparemment, rien de préoccupant pour l'instant. Voilà, mon acidité a même réduit. Et ils ont quand même fait une biopsie, donc je verrai avec mon médecin quand j'aurai les résultats de tous mes examens. Je prendrai rendez-vous pour voir un peu ce qu'il en est. Mais rien d'inquiétant à la gastroscopie, c'est déjà une belle chose. Voilà. Sinon, là j'attends un colis Shein, donc il n'y a vraiment pas grand chose, je vous montrerai demain, parce que je ne sais pas du tout à quelle heure va venir. Là je suis gelée, je suis complètement gelée, je suis frigorifiée. On est passé de 30 degrés hier à 12 aujourd'hui. C'est génial. Hier j'étais bien, j'avais chaud, enfin j'avais pas froid du moins. Là je suis gelée. Voilà. La salle de bain, ça avance. Ils ont déjà fait tous les raccordements. Aujourd'hui, ils vont acheter le placo. Demain, chérie doit aller acheter ce qu'il faut pour la chape. Attendez, il va passer, je crois. Non, il remonte. Et ce week-end, ils feront la chape. Voilà. Parce que là, mon frère retravaille demain et après-demain. Donc, on verra comment ça avance. J'irai peut-être vous montrer un petit peu l'avancée des travaux tout à l'heure. Quand ils auront fini leur journée. Et voilà, tout simplement. Je crois que j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Je me dépêche hein, avant qu'ils commencent à mettre le marteau-pic pour enlever le carrelage. Enfin, je crois pas qu'ils le font en marteau. Je sais plus, il y a un appareil avec une grande tige. Si, ça doit être un marteau. Donc, non, c'est pas un marteau. Enfin, ça fait beaucoup de bruit. Mais vraiment. Ah ben là, c'est au marteau et au burin, je dirais bien. Donc voilà, je vais vous laisser avant que ça martoque trop fort. Et je vous avais prévenu qu'il serait plus court, hein, ce bloc-ci, mais ma salle de bain est une priorité. Alors, vous êtes un peu bancal, hein. Je suis désolée, mais je fais ce que je peux. Il est 10h10, on vient de rentrer avec chérie. Je devais aller à la prise de sang ce matin. Normalement, je devais y aller hier. Mais il n'était pas motivé. Donc, je devais y aller aujourd'hui. Sauf que je suis arrivée, il y avait au moins 20 personnes. Et c'était que des vieux. Donc, je me suis dit, il y en a pour au moins 3 heures d'attente. On va pas attendre, hein. On a d'autres choses à faire.
puisqu'aujourd'hui, mon frère vient et il coule la chape pour la douche. Et normalement, le week-end prochain, à Cannes, puisque là, on doit attendre de recevoir la natte d'étanchéité. De toute façon, après, il faut attendre qu'elle sèche. Il faut déjà attendre que la chape, elle sèche. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je dois me laver comme une grand-mère à l'évier. Mais, enfin, chérie, elle m'a goûté un petit truc hier pour qu'on puisse se doucher vite fait, mais... Et il refera pareil, pas aujourd'hui, il faut attendre que la chape elle soit sèche. Et il remet la baignoire en fait par-dessus et il a mis des rideaux de douche pour protéger le placo et le sol et tout ça. Donc on verra bien s'il refait ça, à mon avis, plus demain ou après-demain, je sais pas. Les chiens m'énervent. Là je suis en train de faire un dessin, enfin je suis en train... J'ai commencé ce matin en attendant l'heure de la mise de sang. C'est pour des gis. Je vais acheter après. Là, je vais nourrir les chiens. Je vais aussi après, je vous reprends après, je vais vous montrer. J'ai reçu une commande Chine. On a été faire un tour chez Action. Ouais, il n'y a pas grand chose dans les deux, mais comme ça, je vous montre. Et voilà. Et on clôturera là-dessus. Je vous ferai juste une vue d'ensemble. De la salle de bain, je vous mettrai une petite photo tout de suite maintenant pour vous. J'irai la faire après parce que j'ai la flemme. Et comme ça, vous voyez l'avancée quand ce sera fini. Ça sera pas dans le prochain vlog, ça sera dans celui d'après. Mais le prochain vlog, je pense que je vais l'ouvrir le dimanche vu qu'on a l'anniversaire d'Emmy. Comme ça, je vous filme un peu la soirée avec les filles. Il y aura plein de monde, donc il faudra que je fasse gaffe de pas filmer d'autres personnes, mais... On verra si j'y pense ou pas. Voilà. Je vais vous filmer le Get Ready With Me. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parce que je pense que sur les 5 tenues que je vous ai demandé de m'aider à choisir, je pense que finalement ce ne sera pas ça puisque j'ai reçu un autre truc. C'est Temu celui-là, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est Chine ou Temu. Non, c'est Chine. Ouais. Donc je vais vous le montrer après. Et comme c'est trop beau, je pense que je vais mettre ça. Elle le fait exprès. Oui, j'ai une tête pas possible, hein, mais il douche dehors. Donc j'avais ma capuche sur la tête jusqu'à maintenant. Chérie est passée au magasin de bricolage pour aller acheter la chape et les madriers. Et plus la grille. Et là, il est parti chez mon frère chercher la colonne de douche, puisqu'on a déjà reçu la colonne de douche, on a fait livrer chez mon frère. Bon, je vous reprends après. Bon, vous êtes toujours bancal, hein, désolé, mais... Bon, j'espère qu'elle va rester quand même. Alors, chez Action, j'ai repris un glitter balm comme ça, là. Oui, vous voyez tout le bordel hein, avec les travaux. Ouais. Donc, j'ai pris le violet que je voulais, parce que j'ai le vert. Il est trop beau. Alors, ça met bien des petites paillettes Saras partout. Hein. Donc, j'ai pris ça qui était au même prix que l'autre. $1,39 et j'ai également pris ça, c'est un trio de Air Booster. Donc le mango, je vais le donner à Manon parce que il y a banane et pomme granate avec. Alors pour lire le mode d'emploi, il faut des super bons yeux, mais en fait c'est tout simplement un après shampoing, sauf que vous devez masser sur le cuir chevelu. Là j'ai testé le pomme granate avec le shampoing que je vais vous montrer juste après. Et il est rouge, hein. J'avais peur d'avoir les cheveux rouges après. Ouais. On verra les traces de tartre, hein, ça c'est clair. Il est content, il a reçu sa colonne de douche. Et les Air Booster, c'est 3 x 60 ml pour $2,99. Et j'ai pris le Plex Care parce qu'ils ont très bonne réputation, ces shampoings là chez Action. Donc je me suis dit, je vais essayer. C'est vraiment pour les cheveux. Cassant et tout ça, ça répare et ça réduit le... ça répare, ça reconstruit et ça réduit la casse. C'est un format 300 ml et il était à $1,99 et j'ai fait ça et le Air Booster là, pomme granate, ils étaient tout doux. Là ils sont encore doux, mais bon, ils sont, voyez, moi quand je dors, voilà ce que ça fait. C'est quand je me réveille le matin.
Il faut que je remette de l'huile pour que ça se remette bien. Je sais pas pourquoi, c'est toujours tout crépus ici derrière, alors que je dors pas sur le dos. Enfin, peut-être que la nuit, oui, mais voilà. Je me suis repris des multivitamines puisque je n'en avais plus. C'est une 60 comprimés, donc c'est pour 2 mois. Et ça, c'était... €1,99. Et j'ai pris un petit pinceau. Alors, c'est vendu dans le maquillage, mais moi, je l'ai vraiment pas pris dans le maquillage. Il ressemble à ça. Je l'ai trouvé trop beau. Voilà, tout simplement. Mais c'est pour brosser les crasses sur mes dessins. Vous voyez ? Je l'ai trouvé trop beau. Voilà, tout simplement. Avec les poils arc-en-ciel. Comme ça, je trouvais ça sympa. Donc, voilà. Truc totalement inutile, mais que j'avais envie. Attendez, je le trouve plus. Là, j'ai les éponges. Ah oui, j'ai pris un petit port USB aussi avec une toute petite allonge et 4 prises USB sortie USB pour mettre derrière mon Mac parce que c'est trop chiant quand je voyais toujours tout. Ah, 1,29 le pinceau. Et pour terminer, j'ai pris un lot d'éponges magiques. Donc c'est Nichols, la marque. C'est la première fois que j'en vois. Je me suis dit pour nettoyer mes Adidas, ça sera nickel parce qu'elle commence à être un peu... dégueulasse. Détachante, 2,49€ les 10 pièces. Donc ça c'est bien, surtout si vous avez des enfants, ça enlève le feutre sur les murs, les meubles et tout ça. J'en avais toujours plein, mais il n'y avait que Monsieur Propre qui faisait les éponges magiques à l'époque. J'en avais toujours plein avec mes gosses, moi, quand c'était bien. Donc voilà, ça c'est pour Action. Et le shampoing, il sent bon, hein. Ouais, ils sont... C'est un peu la barbe à papa, je dirais, mais je sais pas. En ce moment, je suis à fond dans la barbe à papa, donc c'est peut-être ça. Alors, je vais prendre ma commande Chine pour vous dire les prix, parce que je ne les connais pas par cœur. Attendez, je vais sur le site. Mon PC est hyper... Il est temps que je le change. J'espère que j'ai pas débranché la prise Ethernet. Elle ne tient pas bien. Faudrait que je dise à Jérémy qu'il m'en retrouve une autre parce que celle-là, elle a... il y a le petit téton qui clipse dans la prise normalement qui est cassé. Donc elle ne tient pas. Ouais, je vous raconte toute ma vie. En même temps, on est en bloc. Ça ressemble à rien, mes cheveux. Ouais, j'ai rien foutu ce matin. Si, j'ai fait quoi ce matin? J'ai rangé un peu la table, ça se voit plus hein, déjà. Forcément, j'ai reposé les pubs. C'est Monster, ça tarte. Alors, mes commandes. Alors, j'ai d'abord pris 2 tapis de douche et je vous donne le prix avec la réduction. J'aurai un code promo. J'ai pris celui que je vous montre en photo là parce qu'il est déjà sur mon bureau. Je l'ai mis dès que je l'ai reçu tellement il est beau avec les fleurs là. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. J'adore. Donc 6,43€. Et j'en ai pris un deuxième 5,19€. Effet marbré. Il est trop beau. Voilà. Et ça change un peu des bombis parce que j'ai que des bombis. J'ai mon espace aussi, mais il est très grand. Et celui-là, je pense que je vais le mettre sur ma table en haut, mon bureau d'en haut, pour protéger du maquillage et tout ça. Ensuite, alors, le premier truc que je vous montre, c'est un que j'avais pris normalement pour mettre dans le swap de Manon. Mais quand je l'ai reçu, quand j'ai vu la taille, j'ai dit « Oh oh !» Pourtant, c'est du L, hein, elle m'avait dit du L. Mais déjà, j'ai vu qu'il était très court. Il est trop beau. Je suis sûre que ça lui aurait bien plu, mais court comme ça, elle ne le mettra pas. Vous voyez, il est super court hein, par rapport aux manches. Donc, c'est des manches bouffantes et puis c'est tout des petits papillons. Et moi, je l'ai enfilé, il me va nickel. Donc, c'est un petit, très petit L. Hein. Et comme c'est court, ben, je vais lui prendre autre chose à la place. Je vais le garder pour moi, celui-là, parce que j'aime bien. Mais je vais lui prendre autre chose à la place parce que elle le mettra pas. Du fait qu'il est court, elle le mettra pas. Et le top, il était à 3,32€. Je me suis pris un lot de 3 débardeurs. Donc, vous avez un rose poudré, un... beige, un tout petit peu abricoté comme ça, et un gris.
Et ils ont cette forme-là. Ça, ça fait très beau quand vous mettez en dessous de quelque chose. Vous voyez, vous avez les petites manches. C'est hyper échancré, par contre, hein, ici. Mais j'aime beaucoup pour mettre en dessous de quelque chose un gilet ou des truches comme ça. 7,62 les trous. Ah, il y a le tapis de souris de Georges qui est pour le shop aussi. J'en ai pris un pour Georges, le tapis de souris. Je me suis repris un petit pull asymétrique avec des manches en dentelle. Oh, oui, c'est toujours la même chose que je prends moi. Donc vous avez ici la lanière pour une épaule. Donc il tombe comme ça. Il est super beau. Hein. Il est un peu loose. Et c'est des manches dentelles fleuries comme ça, très troutroutées. Vous voyez, elles sont très belles. Mais il est vachement large, hein. Il est loose. Hein. Voilà. Et celui-là, il était à 6,24. Et le dernier truc que je pense que je vais mettre dimanche pour l'anniversaire d'Emmy, contrairement à tout ce que je vous ai montré dans Riley et ça. Attendez, je crois que c'est pas. Ouais, non, c'est pas Chine. C'est Emu, je crois. Je regarde sur la précédente commande, peut-être. Ah oui, il est là. C'est bien Shein, mais c'était dans une autre commande. Attendez, je clique sur n'importe quoi. Attendez. Donc, il était à 10,83 avec la promo. Il est sublime. Oui, en ce moment, je suis très vintage et compagnie. Hein, donc, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai enfin, après autant d'années, enfin trouvé mon style. Voilà. Après, le style de tout le monde change tout le temps. Hein. Mais ça, avec mon petit gilet noir et un jean, je pense que ça le fera très bien. Et un débardeur en dessous parce que c'est assez transparent. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je pense que je mettrai celui-là dimanche. Il est magnifique. Magnifique. Faites pas attention, chérie, il fait des bruits un peu bizarres toute la journée. Je vais vous chercher le tapis de souris que j'ai pris pour Georges. Il me faisait chier parce qu'il avait le tapis de souris quand il squatte mon PC, parce que c'est lui qui squatte mon PC portable. Je lui ai pris du... Ça lui va très bien. Mais alors, vraiment, très bien. Donc, voilà pour mon petit... mes deux petits hauls. Là, j'ai une commande Temu qui arrive aujourd'hui. De toute façon, des commandes Temu, j'en attends... je ne sais même plus combien. Nous livrerons votre colis. Ah oui, ça, c'est parce que je viens de déposer les colis... Je viens de déposer le colis de la, du livre, du concours pour le livre. Je suis désolée, hein, je suis complètement épuisée là. Je perds un peu la boule, mais en même temps, je dors presque pas la journée parce qu'il y a toujours du bruit. Donc, je suis un peu à l'ouest. Sur Temu, j'ai encore refait une commande hier. Hein, ce matin, non, hier. Ouais, hier. Donc, j'attends encore une, deux, trois commandes plus celle qui arrive aujourd'hui. Elle est toujours pas marquée en livraison, mais là, ça vient normalement ce soir. Ah, il m'énerve à gueuler, ces deux-là. Voilà, voilà. Bon, je vais envoyer le numéro de suivi à... qui c'est qui a gagné déjà le concours Ophélie. Voilà, bon, il n'y avait pas beaucoup de participation pour le bouquin, mais bon, écoutez. Je vous ferai un petit concours Halloween avec deux livres, parce qu'il y en a que j'ai pas gardé. Que les dessins... Oui, il y en a qui me plaisent dedans, mais... Quand je fais le ratio de ceux que je préfère et ceux que j'aime moins, c'est pas assez. Comme par exemple le livre de Hibou, ils sont trop ressemblants. Et faire que des hiboux, c'est pas intéressant. Je pensais plus qu'il y aurait un peu plus de forêt et des trucs comme ça. Un que je reçois aujourd'hui, c'est un forêt magique justement. Donc là, c'est plus mon kiff. Il y en a deux que j'avais commandé pour. L'anniversaire de la copine de Sam.
Bref, bon, maintenant je vais ranger mon bordel, faire le montage. Parce qu'il faut d'abord que je range mon montage. D'abord que je range mon bordel avant de faire le montage, puisqu'il me faut la place sur mon bureau. Et voilà, voilà. Donc sur ce, le vlog aura été assez court. La semaine prochaine, je ne sais pas du tout comment ça va aller. Ma chérie retravaille et du coup, ils ne vont pas faire beaucoup de travaux de la semaine, donc ça sera plus calme. Je crois qu'ils ont prévu de carreler le week-end prochain, c'est ça? Vous carrelez le week-end prochain, normalement? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai hâte qu'elle soit finie pour vous montrer et voir ce que ça va donner. Là, il est tout content avec sa colonne de douche. Et voilà. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon mercredi. Oh putain, mercredi en vidéo avec le Get Ready With Me. Comme ça, c'est une vidéo que j'ai facile à tourner, même s'il y a un peu de bruit le dimanche. J'ai facile à la tourner en musique. Et après c'est samedi, je crois, c'est le Disney Challenge. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, sur le monde de Ralph. Donc ça va, ça j'ai déjà l'idée, donc j'ai hâte. Et pour Temu, encore avant de vous laisser, le truc là que je vous ai dit la semaine dernière, vous savez, pour l'ajustement des prix, depuis le 1er mai, à peu près, hein, donc ça fait une quinzaine de jours, j'ai récupéré quasi 50 balles hein, de rien que d'ajustement de prix. Et ça se déduit automatiquement sur votre prochaine commande. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Et c'est valable, ça c'est une abonnée qui l'a dit, c'est valable 30 jours après la livraison. Vous pouvez le faire jusqu'à 30 jours après la livraison et le faire tous les jours. Voilà. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.